Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, et comme vous l'avez dans le titre aujourd'hui, vidéo réaction à une vidéo de Bastos et d'Adeloran. Ça promet, effectivement ça promet, j'espère que vous les connaissez déjà, si vous les connaissez c'est un bon début parce que vous savez comment ça va être d'avant. Avant même de qu'on regarde, qu'on réagisse et qu'on discute vite fait, vous allez capter très vite le concept en fait. Bon, on est sur la chaîne de Bastos, si vous connaissez pas Bastos, il a fait de la télé-réalité comme Adé, comme Adeloran, Adrien, Bastos, Bastien, voilà, il faut mettre dans le contexte, Bastien, Bastos, Adrien, Adeloran, voilà, c'est bon, vous avez. Et ils ont fait une vidéo ensemble où ils parlent de Adeloran, du coup, qui deviendrait Coach Love. Sauf si, si vous le connaissez, c'est drôle. Disons que lui, je sais pas s'il est sur le même monde, sur la même planète, mais il en a rien à foutre. Genre, extrait de son nombre de conquêtes ou de plan cul. Je sais pas, entre 1000 peut-être. Voilà, déjà juste, c'est pas un acteur porno. Alors, de temps en temps, il s'est un peu immiscé là-dedans. Pas de mentir que j'ai pas trop compris, mais ok. Mais de base, c'est pas un acteur porno. Donc, c'est un mec comme vous et moi, mais fou. Je fais beaucoup ça avec mes mains, vous voyez peut-être pas en dessous de la caméra, mais vraiment, c'est fou. Ça, ça veut dire folie, ça. Ça, c'est la folie. Bon, en tout cas, on va réagir à ça, c'est incroyable. Bastos, c'est un peu un mec un peu foufou, mais différent, mais justement, ça, c'est le duo en fait qui est drôle. Le duo est drôle. Adrien, beaucoup de monde le déteste quand même. Beaucoup de gens le détestent, notamment les meufs, parce que bah, il dit qu'il respecte pas. Moi, je pense en vrai, il respecte, mais il en a rien à foutre. Alors, il tape dedans, il tape dedans. Voilà, y a pas de... voilà, je parle cru. Ils vont parler cru. C'est vrai que la vidéo va être crue. Donc si vous êtes pas dans le cru d'habitude, ma lentille me fait mal à mon ego. Putain, c'est horrible. Bon, on est parti. C'est drôle. Si vous vous demandez pourquoi c'est rouge et tout, ça le sera. J'y peux rien. On commence. En laissant traîner sa queue un peu partout. Réseau, je reçois beaucoup de questions sur, sur les meufs, sur Adé, comment tu fais pour gérer autant de meufs. Comment tu fais pour gérer autant de meufs pour être toujours aussi... sexually attractive. Il est en vidéo avec toujours des avions de chasse en train de faire des acrobaties. Je sais plus, bah je pense actuellement aussi, à une époque, je regardais ses snaps, en effet, à l'époque où j'étais beaucoup plus sur Snap qu'en ce moment, mais en effet, son Snap, c'est un autre monde. Tu le regardes, c'est autre chose. Vraiment, c'est, il se passe des trucs, tu te dis... Wow. Bon, je peux pas, je peux pas les laisser comme voilà, ça. Voilà, la demande, elle est là. Je crée ma propre formation. Une formation. Une formation. Comment gérer des meufs. Gérer des meufs et devenir un titan de la drague et titan du sexe en 30 jours. J'explique tout. Comment vaincre sa timidité, comment devenir une personne charismatique, comment revoir la meuf après le premier date, tous les comportements à bannir. Parce que... Ça serait marrant de voir combien il fait, il paye ça, genre, enfin il fait, tu vois ce que je veux dire. Ça serait drôle. En vrai, limite on va voir après la vidéo si j'y pense et s'il y a déjà en fait. Juste pour voir le prix pour devenir comme lui en 30 jours. J'explique en détail comment créer, comment faire un bon cunnilingus, comment faire un bon anulingus, comment exactement où mettre les doigts, comment mettre la langue pour genre... faire jouer la meuf à tous les coups. Ah oui, alors moi je pensais que c'était un truc formel, genre ouais, apprendre à bien parler et tout, apprendre à avoir de la discu. Non, je pense qu'il fait tout. C'est vrai que je... Oh, sa formation ça doit être loin. Limite tu regardes tout... Non mais mec, imaginez juste la scène. En vrai c'est bien, en vrai c'est bien, au moins si on sait pas, on regarde son truc, on sait. Pourquoi pas? Si on sait pas, on regarde. Mais imaginez-vous, un mec, je pense que c'est pour les mecs, hein, pas... ou alors peut-être... Ah, remarque, c'est peut-être les meufs aussi, mais bon, je sais pas. Tu regardes sa vidéo et t'as vraiment. Imagine quelqu'un, tu regardes de loin et il voit vraiment un mec faire. Alors, mec, je te montre, tu. Oh, vous avez la même scène que moi. Vous imaginez un mec regarder sa vidéo qui regarde un mec, comment. Déjà, même vous là, ce que je viens de faire, ça vous a gêné. Imaginez Adeloran, vous expliquez beaucoup plus et sans filtre. Hein. Lui sera sans filtre, il sera en mode. Alors, mec, tu la poses comme as. Pour moi, la meuf, si elle couche avec moi, il faut que ça soit son plaisir avant tout. 95% des garçons ne savent pas baiser, ne savent pas faire l'amour. Tu peux être le plus musclé du monde. Mais du coup, il fait partie des 5% selon lui, du coup. J'ai tous testé ma petite puce. Ton tableau de chasse, c'est immense. Une table de chasse. Ton tableau de meuf. Énormément de meufs. Chasse pas. Non, mais pas. Non, mais t'as compris, c'est un jeu de mots. Voilà pourquoi les meufs en majorité en tout cas l'aiment pas. Mais bizarrement elle couche avec. En même temps vous voyez ce que je veux dire, il a la tchatch. Toi il a un sourire facette. T'as envie de sourire parce que tu te dis mais ce mec là il a l'air dans un autre monde. Mon problème c'est ce moment où... Moi j'ai bien discuté avec une meuf longtemps avant okay. que... Tu vois quand on se rencontre. Bien sûr. J'ai besoin de... d'apprendre à la connaître un petit peu, de choper sa vibe, okay. de machin, etc. Logique. Ok, là j'ai envie de coucher avec elle. Okay. Mais il n'y a pas eu de contact physique entre nous, encore. D'accord. Moi, genre par exemple, on a rigolé, on a joué à Mario Kart, okay. on a été prendre un bon dîner, on a kiffé. Voilà, quand je connais pas, je suis pas très tactile. Okay. Donc ça veut dire, je suis là. Je veux savoir la réponse. Alors pas parce que je suis dans le même cas. Pff, alors moi j'ai du mal à baiser. Moi. Mais je vais quand même entendre Ayagé chez Cook. Je déconne, c'est la constitution française. Enfin une partie j'imagine parce que c'est très petit. Genre surtout ça me gêne un peu de le faire. C'est
j'ai vraiment envie de t'embrasser. Je dis, j'ai vraiment envie de t'embrasser. Oh, ma beauté, c'est tellement mignon. Et là, genre, j'attends son approbation, sa validation, si elle me dit oui ou si elle me dit non. Et si elle me dit oui, bah, je l'embrasse. Et puis là, voilà. Je sais pas comment on fait pour que ça se passe naturellement. Alors, je vois exactement ce que tu veux dire. Ok. C'est pas mauvais de faire ça. D'accord. Au contraire, t'attends ton approbation, t'es bien, tu lui fais un bisou, tout va bien. Ok. Tu sens que la distance, elle est... Une fois que le bisou, il est fait, c'est sympa. Génial. C'est un bon comportement. Ouais. Mais ça fait un peu bébé. Ça fait bébé. Ça fait bébé. Je peux t'embrasser. Et alors, on sort ensemble ou pas? J'ai envie de te faire un bisou. Moi, ce que je fais, quand tu te mets là, généralement, tu te mets sur le canapé. 23h, minuit. Comment vous avez bu un petit peu? Elle commence ouais, à fatiguer. Voilà, on a bu un petit verre ou deux. Tout simplement, tu lui dis, écoute, bah, mets-toi sur moi. Tu lui fais des petites caresses sur les cheveux, tout simplement. En regardant la télé, ouais. Tu vois qu'elle ferme un petit peu ses yeux. Et tu viens délicatement, tu baisses la tête. Oui, donc toi t'attends qu'elle dorme un peu. La meuf, elle est sur ses genoux, il baisse la tête. Lui, il veut pas embrasser la bouche, il veut embrasser autre chose directement en fait. Il veut passer en bas. Ouais. Et après, tu vois que le film se termine, etc. Tu vas brosser tes chicots, et logiquement... Ouais, mais là, c'est bon. Tu vas dormir avec elle. Oui, mais frère... Ah, mais moi, je dors pas souvent avec les meufs. Hein. Ah... Tu laves tes chicots pendant et tout? Non, mais non, c'est bizarre, on dirait que t'avais la bouche sale avant. Ah, moins si vous avez bouffé entre temps, à la limite, parce que j'allais dire de base, tu te laves les chicots avant. C'est, je vois la meuf, mais il y a la meuf qui ne peut pas s'empêcher de ramener sa copine. Donc elle là. Elle vient au date avec sa copine? Ouais. Ça, c'est bizarre. Non, mais c'est très c'est bizarre. C'est pas un date. Non, mais si, elle m'a dit, on se voit. Elle m'a dit, écoute, ça te dérange si j'arrive de ma copine. Moi, je vais dans le sens de la meuf, je lui dis, écoute, ramène ta copine. Ouais. Y a pas de souci, alors qu'il y a un énorme souci parce que j'ai pas du tout envie qu'il y ait sa copine. Ouais. Quand elles sont à deux, elles se sentent un petit peu genre. Ah oui, c'est ça. Déjà, et puis en plus de ça, quand elles sont à deux, en général, l'autre elle va pas tenir la chandelle. Bon, en vrai, si je dois réagir, c'est réel. À deux, je pense, la meuf, elle sera moins timide et moins dans le truc. Frère, j'ai l'impression que je chiale tout le temps. Je sais pas pourquoi ma lentille, elle est très bien longue. Dès que j'ai commencé la vidéo, c'est parce que j'ai une lumière sur la gueule. Là, vous voyez pas, mais j'ai ça. Sauf dans la gueule, là, mon œil, il en peut plus. Il est en mode, qu'est-ce que tu me fais? Ma première fois que j'ai couché avec meuf, c'est un peu à 3. Et c'était deux meufs que je kiffais, frérot. J'avais 15 ans, 2009. Première fois que tu couches, première fois. Incroyable. J'étais dans le lit avec les deux meufs qui dormaient. Et je voyais que ça se faisait des petits bisous à gauche, à droite. Et je touche les deux un peu en même temps. Et je vois qu'elles sont dans le délire. Quand je vous dis, quand on regarde sa vie ou quand on écoute sa vie, c'est un autre monde. Lui, frère, je sais pas où il est, à 15 ans. Comment vous payez la formation? C'est vrai. Ils ont un plan à 3. Et je suis parti. Ouais, c'est toute petite foufoune. Et c'était tout mignon, quoi. Ouais. Et l'autre derrière qui attendait son tour, qui disait à moi. Elle faisait rien, elle attendait. Elle attendait. Ouais. C'était un plan à 3, mais c'était de ouais, bébé quoi. Ouais, faux plan à 3. Faux plan. Ça peut être mal interprété quand même, parce que là vraiment, elle est en train d'expliquer un plan à 3 de cause de 15 ans du coup, avec des petites foufounes. Oui, après 15 ans. Voilà, non, je vais rien dire. Ouais, je suis un dieu. Ouais, voilà. D'accord. J'ai envie de parler de meuf ou je suis pas sûr. Mais moi j'aime bien un petit peu cette incertitude. Ça peut être. J'ai pas l'impression de perdre mon temps en plus parce que je peux quand même passer un bon moment à discuter. Bien sûr. Et si je sais que je vais coucher avec elle, j'ai l'impression que. Ah ouais, moi j'ai. Y a plus de défis, y a plus de challenge. Moi y a plus de challenge, mais je me dis putain, j'ai trop envie de la découvrir en profondeur. Je me dis waouh. Okay. Essayez pas d'être trop bourrin, trop rapidement sur la meuf. Des petites allusions. Au sexe. Ok. Un exemple, tu vois, parce que ouais. Moi, c'est toujours, t'as couché avec combien de garçons dans ta vie? Ah, oh, ça va, si vous me disiez une allusion au sexe, ça va être trop, lui, ça va être direct de ouf, mais en vrai, si c'est ça, ça va. En vrai, oui, ça c'est une technique où après, tu parles de cul et tu vois juste si elle est fluide ou non. Ouvert d'esprit, c'est mieux comme terme. En fait, le problème de lui, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui s'identifient à lui en disant je vais être comme lui, sauf qu'ils savent pas du tout comment il est en vrai. Je sais pas comment dire. Et ils vont être des forceurs dans la rue et tu vois ce que je veux dire, ils vont dire non, mais AD ça marche, on voit pourquoi. Pour moi, ça marche pas. Donc frère, non, AD il a un truc et puis il fait pas comme ça. En vrai de vrai, il fait le beauf, mais en vrai, je suis sûr qu'il amène bien le truc. Je sais pas comment dire. Tu vois, c'est pas un cru. Enfin, c'est un cru respectueux. Bon les gars, c'est tout pour moi. C'était quand même sympathique cette petite, voilà, cette petite vidéo. Elle sera en description si vous voulez plus la voir finalement. Et puis, enfin, plus la voir, revoir tout en intégralité. Il y a quelques passages que j'ai coupés et que j'ai passé parce que, bah voilà, il faut aussi que je réagisse. Du coup, la vidéo va durer 40 ans si je laisse tout, tu vois, t'as capté. Donc, en cas, c'était tout pour moi. Petit pouce bleu, petit like. C'est la même chose, mais c'est pas grave. Tu t'abonnes. Mon œil, les gars, voilà. Je fais ça juste pour la fin. Je vous dis à la prochaine. C'était Pierre Alex. Portez-vous bien finalement. Et puis, allez pécho comme qui vous voulez, comme vous voulez. Ciao.